Le déclin de la pêche, 20 ans au moins qu'on en parle. Nous sommes allés au Guilvinec pour demander à des professionnels ce qu'ils en pensent. Le prix de poisson, problème d'équipage aussi, beaucoup. On trouve beaucoup moins de gars souvent. Enfin, voilà, tout ça, ça fait que la profession décline au fur et à mesure, quoi. Sur le plan financier, ben, c'est quand même plus dur. Le gasoil, ça prend pas mal, hein. Faut aller en mer, hein, pour gagner ses sous, et c'est pas facile tout le temps. Mais certains jeunes sur les quais relativisent. Donc si j'avais voulu écouter certaines personnes, ça fait une dizaine d'années, à l'heure actuelle, j'aurais rien eu encore, parce que ben, la pêche est déjà finie, ça avait pas le coup d'investir, il fallait, voilà, les bateaux étaient trop chers, voilà, c'était pas remboursable. Et puis finalement, donc j'ai investi, ça fait 10 ans, mon premier bateau, donc Caraïbes, donc je finis de le payer cette année, donc voilà, j'ai quand même réussi. Un joli pari déjà. Et depuis, il en a acheté trois autres. À Pinmar, un ancien président du comité local des pêches se trouve entre deux eaux. C'est un métier attractif, quoi que l'on dise. J'ai vu encore ce matin un pêcheur de langoustine du Guilvinec. Il a fait une très bonne année 2013. Voilà, mais bon, pour s'installer aujourd'hui, l'Europe interdit de construire. J'irai pas leur dire qu'il faut s'installer parce qu'il n'y a pas le droit de s'installer. Il y a des jeunes qui y croient, qui veulent se lancer, mais les moyens ne sont pas là. Alors il faut changer la donne pour qu'ils aient les moyens de se lancer. C'est l'économie d'une région, pas seulement du Guilvinec, c'est de la Cornouaille, c'est l'économie de toute une région. Il faut arrêter de tourner le dos à la mer. Le métier de pêcheur affronte des vents contraires. Il s'en sortira s'il trouve son équilibre entre la passion et la compétence de l'artisanat et la dimension industrielle.